Le revenu, c'est comme l'air sous les ailes de l'oiseau. Et ce serait un droit civique s'il y avait un revenu de base. Bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, chacun a un revenu, plus ou moins. Sinon, il ne pourrait même pas survivre. Mais sous quelles conditions? Comment chacun obtient-il son revenu? 4 Allemands sur 10 travaillent. Ce travail leur procure un revenu suffisant pour vivre. Presque 3 sur 10, en majorité les enfants et les jeunes, ont un revenu par leur famille. 2 sur 10 vivent de leur retraite ou de leur rente. Et moins d'un sur 10 de l'assurance chômage ou de l'aide sociale. Tous les revenus sont le résultat de l'activité économique, mais 41% seulement sont le fruit d'un travail rémunéré. Tous les autres sont dits revenus de transfert, des revenus qui ne sont pas directement liés au travail. Alors pourquoi l'idée d'un revenu de base nous semble-t-elle si étrange? Ce qui semble étrange, c'est que le revenu de base est inconditionnel. Mais aujourd'hui, les conditions d'accès aux revenus sont-elles encore adaptées à notre temps? À moins de nous montrer tout à fait naïfs, il faut admettre qu'à l'avenir, le marché du travail ne pourra plus assurer l'intégration sociale de toute la population. Cependant, en refusant l'alternative du revenu de base, nous sommes obligés de parier sur la croissance économique à n'importe quel prix. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la politique aujourd'hui. De l'extrême droite à l'extrême gauche, l'ensemble du monde politique en appelle à grands cris à la croissance économique. Ainsi, nous persistons dans une approche quantitative des problèmes et nous perdons toute chance de développer de nouveaux modèles d'organisation sociale d'une qualité supérieure. Aujourd'hui pourtant, croissance économique ne rime pas forcément avec création d'emplois. Sous le trait, c'est même plutôt le contraire. En revanche, il n'y a pas de croissance économique sans consommateurs avec un bon pouvoir d'achat. Autrement dit, il faut que les gens aient de l'argent en poche. Demandons à Klaus Wellershoff, économiste en chef de l'une des plus grandes banques du monde, première en gestion de fortune, ce qu'il pense d'un revenu de base inconditionnel. Soutenir les populations sans poser de conditions, à la longue, c'est un principe qui, je pense, devra s'imposer. Mais il lui faudra tout d'abord affronter les nombreux droits et privilèges dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais de quel droit pourrait-il bien s'agir? Du droit de préserver les places de travail, peut-être? Tous les politiciens le réclament. Mais pense-t-il vraiment au travail? Ou plutôt aux recettes fiscales? Ou bien s'agit-il de limiter le nombre de ceux qui vivent de l'aide sociale et pèsent sur le budget de l'État? Ce n'est pas la politique de l'État méchant qui est responsable de l'explosion des coûts, c'est la rançon du succès. Le succès en question est celui de la rationalisation. Une rationalisation qui arrive jusqu'à notre porte. Comment va continuer l'histoire de ce succès? C'est justement le sens de cette question. Elle se pose si on réfléchit aux revenus de base. Il existe différents modèles de revenus de base. Tous ces modèles se rejoignent dans la définition du réseau allemand pour le revenu de base. Elle comprend 4 critères.
mais gardons les pieds sur terre. Le revenu de base ne signifie pas davantage d'argent pour chacun. Il ne vient pas d'en haut. Il ne s'ajoute pas. Il se développe à l'intérieur du revenu existant. Le revenu du travail diminue, mais le revenu total ne change pas. Ce qui change, c'est sa composition. Le revenu de base est un autre genre de revenu. Ce n'est pas un salaire minimum. Ce n'est pas le paiement de quelque chose. Ce n'est pas un revenu lié au travail. Chacun touche le revenu de base, quoi qu'il lui arrive. Contrairement au communisme qui étouffe la personne et au libéralisme de marché qui cherche à l'isoler, le revenu de base lie la sécurité à une liberté maximale, pour que l'individu puisse devenir maître de ses choix. Le montant de cette garantie doit suffire pour pouvoir réellement refuser une activité rémunérée. La possibilité de refuser est une condition essentielle pour pouvoir négocier librement et à égalité. Tous ceux qui sont à l'heure actuelle tributaires de l'aide sociale ne le seraient plus avec le revenu de base, car ils remplaceraient les prestations sociales de l'État, jusqu'à hauteur de son montant. Ce n'est que dans le cas où des prestations sociales plus élevées que le revenu de base seraient nécessaires que la différence serait conservée. Seuls ceux qui ont aujourd'hui moins que le revenu de base auraient davantage d'argent en poche. Il s'agit d'abord des enfants et des jeunes, autrement dit des familles. Ou alors des personnes ayant une retraite insuffisante. Il s'agit des travailleurs pauvres ou des indépendants qui s'appauvrissent en travaillant. Le revenu de base éradique la pauvreté. Et il stabilise les classes moyennes en les rassurant. Il supprime la peur des vieux jours. Ce n'est pas de l'argent que les uns donnent aux autres en leur faisant mauvaise conscience. Ce n'est pas une aide octroyée quand on est dans le besoin et dont on se sent redevable, mais une perspective, et pour tous. Le revenu de base ne part pas du principe que l'homme est bon. Il ne règle pas non plus tous les problèmes. Ce n'est pas une question d'argent, mais il donne à chacun la possibilité de trouver soi-même davantage de solutions. En Autriche, en Suisse et en Allemagne, le revenu de base est un enjeu que l'on discute sérieusement. Je crois que cela vient du fait que c'est le moment idéal. Il nous rend la dignité humaine. Et il n'est pas lié au bien-être social de la société. Il aurait un effet sur l'escalade des tensions sociales que nous connaissons aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ont un emploi, mais qui n'en veulent pas vraiment. On dit de cela, ces gens nous prennent nos emplois. Parce qu'en même temps, d'autres sont exclus alors qu'ils veulent travailler. Le jour où ce sera la décision de l'intéressé qui comptera, les choses vont bouger. Le plus intéressant dans ce système, c'est que je ne pourrai plus dire à la fin de ma vie que je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Qui étudie uniquement parce que ses parents le lui demandent? Dans quelle société voulons-nous vivre? Si vous ne vous posez pas ce genre de questions, vous pouvez tout de suite éteindre votre ordinateur. Il y aurait une floraison d'initiatives. Pour ma part, je suis sceptique. Je suis très sceptique. Parce que je pense que si ce revenu est mis à disposition, la motivation pour le travail et la performance vont baisser. Elles seront nulles. L'emploi rémunéré rend malade, parce que le temps permettant d'accomplir le travail est de plus en plus court. Ce qui peut se démontrer très simplement de manière empirique. Au fond, le revenu de base pose les fondements d'une société plus libre. C'est le plus important. Il nous libère de la dépendance salariale et crée plus d'autonomie. La question va se poser tôt ou tard. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Parce que l'argent doit bien venir de quelque part. Je peux effectuer les calculs économiques nécessaires et je vous dis, ça marche. Le grand défi du revenu de base, c'est que chacun doit réapprendre à vivre. C'est ça l'essentiel. Et là, nous en sommes tout au début. Pas pour le financement. Le financement est acquis. La difficulté, c'est la liberté.
des visions d'horreur. Le début du XXIe siècle n'en manque pas. Les journaux en sont pleins, et nous aussi. Le revenu de base n'est pas un thème abstrait qui nous renvoie au rôle de spectateur. C'est une question qui touche chacun. Parce qu'avec ce revenu, chacun peut refuser de faire ce qu'il ne peut pas assumer et ne faire que ce qu'il veut vraiment. Tout le monde resterait à la maison? Personne n'irait plus travailler? Tout s'arrêterait? Comme si c'était la grève? Et les cadres, en RTT permanente? Et le sens des responsabilités? Hors de vue? Plus personne ne rame? Plus personne ne bûche? Les universités désertes? Le revenu de base saperait-il toute motivation pour une qualification plus élevée? Pour entreprendre une formation supérieure? Sans contrainte, personne ne développerait plus son capital humain? Alors qu'aujourd'hui déjà, on manque de personnel qualifié. Que va devenir notre économie? Ce qui me révolte le plus, c'est le fait qu'au fond, personne ne se demande plus à quoi l'économie est censée servir. C'est un domaine de la vie en société qui est censé assurer notre existence, produire et mettre à notre disposition des biens qui nous sont utiles. Mais cette façon de voir a complètement disparu. Aujourd'hui, l'économie fonctionne en circuit fermé. Elle poursuit d'autres objectifs qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec la vie humaine, qui peuvent même détruire la vie humaine. Malgré tout, j'en suis convaincu. Nous avons besoin d'un système qui récompense la performance, qui rémunère le travail bien fait. Mais avec un système fondé sur le principe de l'arrosoir où tout le monde recevrait la même paye ou salaire de base, au final, c'est toute la société du travail qui imploserait. Pour l'année 2001, les prestations payées en Allemagne. 56 milliards d'heures de travail rémunérées. Les prestations non payées, 96 milliards d'heures de travail à la maison, pour les enfants ou encore dans le cadre d'une activité bénévole. Un revenu de base n'empêcherait pas du tout la rémunération du travail. La question qui risque de se poser, c'est plutôt de savoir, dans les entreprises, comment diriger des collaborateurs qui ne se laissent plus discipliner aussi facilement par le besoin d'argent. Idem en politique. Comment gouverner des citoyens rendus plus indépendants grâce à leur revenu de base? Et comment est-ce qu'on se gouverne soi-même? Est-ce que vraiment tout le monde serait en train de bronzer? Avec une montagne d'ordures dans les rues? Les parcs, laissés aux bons soins des retraités? Le revenu de base est-il suffisant pour corrompre la société du travail? Pour saper l'esprit d'indépendance? Le plaisir de la réussite? Est-ce que ce n'est pas l'ennui si tout le monde a déjà un revenu? C'est bon pour les 68ards et autres hippies qui prétendent que l'homme est bon par nature? Mais l'homme est aussi un animal, qui, plutôt qu'un revenu de base, préférerait un terrain de chasse. Attendons plutôt de voir ce que les nouveaux marchés vont nous rapporter. Dehors, devant la porte. C'est comme ça pour beaucoup de nos semblables qui ne peuvent passer à table. Le revenu de base rendrait-il les hommes plus proches? Ou bien creuserait-il encore plus le fossé de la société à deux vitesses? Pour les uns, les emplois lucratifs, une formation à prix d'or, la gestion sans entrave du capital, tandis que les autres s'arrangeraient avec leur revenu de base, peuplant leur temps libre de rêves et de hobbies, tout en gagnant un petit supplément avec des boulots à 2 euros, et ne seraient plus en travers du chemin pour les choses importantes. On peut aussi dénaturer le principe du revenu de base. Par exemple, en fixant un montant tout juste insuffisant pour vivre, tout en éliminant l'ensemble des prestations sociales. Dans ce cas, tout le monde est obligé de travailler, sans convocation personnelle, et à des salaires comme en Chine, sans que le fait d'avoir un revenu de base ne permette de les refuser. Enfin, et si on complique les paiements à l'infini, en instituant des régimes particuliers, des calculs de compensation et des conditions à vérifier. Et on reviendra à peu près à la situation actuelle, mais en pire.
qui ne veut pas travailler ne doit pas manger, a dit l'apôtre Paul en pensant à ceux qui n'apportaient rien à la communauté. S'ils sentent leur délivrance si proche qu'ils peuvent arrêter de travailler, disait-il, alors ils peuvent aussi arrêter de manger. Cet homme avait au moins le sens de l'humour. D'autres en manquent cruellement. Dans cette maison de redressement, on suspend les pensionnaires dans un panier au-dessus de la table et ils ne reçoivent rien parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Privation de nourriture. Toutes les règles deviennent abominables lorsque le bon sens les a quittées. Dans les débats sur le revenu de base, il s'agit tout d'abord de rompre avec les vieux schémas de pensée, avec cette idéologie par exemple. Seul celui qui a ou qui cherche un emploi a le droit de manger. Il faut en finir avec cette idée fausse, selon laquelle seul le travail rémunéré constitue une contribution méritoire à la société. En réalité, c'est souvent exactement l'inverse. Qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Cette maxime, nous l'avons intériorisée. L'artiste Joseph Beuys en a écrit une nouvelle version. Car nous avons assez à manger et des biens en suffisance. La question qui se pose, c'est celle du travail. Le travail pour obtenir les matières premières et le travail de production sont en train de disparaître. Dieu merci. Le sens de l'économie, c'est de libérer l'homme du travail. Ce n'est pas écrit dans le journal. Se libérer. Mais pour aller où? Ce n'est pas écrit non plus dans les directives des chefs d'entreprise. Licencier des collaborateurs n'est facile pour personne. Mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Mais si on reconnaissait cet état de fait en le considérant même comme un devoir, un autre sens apparaîtrait. Se libérer du travail veut dire aussi se libérer pour le travail. Penser qu'au-delà de la grille, il n'y aurait que vacances et loisirs, c'est le point de vue de la dépendance. Il ne reste alors qu'un espoir, de nouvelles places de travail. De quelle nature sont donc les places de travail dans lesquelles on investit aujourd'hui? Tous les investissements dans de nouveaux postes de travail sont en même temps des mesures de rationalisation. On y développe des méthodes pour économiser des emplois. Jamais un patron ne vous dira « Comment puis-je faire pour créer plus de travail ?» La tâche de l'économie, c'est de satisfaire des besoins, efficacement, comme chacun le fait aussi. Elle n'a donc pas pour tâche de créer du travail. Et en face de cette réalité, on observe que chaque être humain porte en lui ses propres objectifs et son travail, et qu'il les abandonne parce qu'il ne peut les convertir en argent. Le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui ont une place de travail n'ont en réalité qu'une place de revenu. N'avoir qu'une place de revenu veut dire avoir un travail uniquement pour épuiser son revenu. Un travail qui n'a pas de sens. Pour la société, ce manque de sens pose problème parce qu'il fait émerger beaucoup de frustrations et de pathologies chroniques. En Allemagne, 12% des salariés se sentent tout à fait à leur place. Cela fait un peu plus d'un sur 10. Plus de la moitié, 54%, sont plus ou moins insatisfaits de leur travail, mais apprécient néanmoins ses bons côtés. Enfin, 34% sont clairement mécontents de leur travail. Autrement dit, 1 sur 3. Ce qu'on appelle conflit du travail est en fait un conflit du revenu. Et dans les conditions du travail, on se bat contre la privation de travail. Car mon travail, c'est moi. Mais il ne peut y avoir de droit à un travail qui m'oblige. Il n'existe pas de droit à être obligé de faire quelque chose, comme il n'y a pas non plus de droit à être acheté. Le droit au travail ne peut signifier que le droit d'exercer une activité choisie, que personne ne peut octroyer ou enlever. Un tel droit au travail suppose un droit au revenu. C'est un comble. On a du travail et il y a une agence de l'emploi, mais pas d'agence du revenu. Ce jeune homme veut dire qu'il a beaucoup de travail, mais pas pour autant un revenu. Quel effet pourrait avoir un droit au revenu sur la société? Le sociologue suisse Uli Maeder nous donne quelques indications. La contrastation
Face à l'orientation unilatérale et bornée de la société sur le travail rémunéré, il faut mettre l'accent sur la question du sens. Qu'est-ce qui importe vraiment dans la vie ? Le revenu de base fournirait un appui fort aux gens. Il y aurait plus de sécurité. Cela provoquerait un élan de créativité, de satisfaction. Les gens auraient moins besoin d'avancer en jouant des coudes. Ils seraient moins qu'aujourd'hui contraints d'obtenir des avantages pour eux-mêmes au détriment des autres. En créant des rapports de concurrence extrême, le système actuel casse les mécanismes de solidarité. C'est l'opinion d'un professeur de sociologie. Mais qu'en pense quelqu'un qui rentre du boulot et qui entend parler pour la première fois du revenu de base? Ça veut dire que tout le monde aurait le même salaire? Non, chacun gagnerait ce qu'il gagne, mais tous recevraient un socle fixe, qui est le revenu de base. Mais seulement s'ils travaillent? Non, quoi qu'ils fassent. Mais alors, on aura certainement un problème de motivation au travail. Si je dispose de toute manière d'un salaire de base garanti, pourquoi irais-je encore travailler? Mais pour vous, ça serait comment? J'irais volontiers travailler. Rester à la maison n'est pas une solution. J'aime mon travail, je le fais volontiers. Mais il y a sûrement des types qui n'iraient plus travailler. Si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous iriez encore travailler? Spontanément, environ 60% répondent « oui, comme avant ». Environ 30% répondent « oui, mais plus à plein temps ». Ou encore « je ferai autre chose ». Et environ 10% répondent ouvertement « d'abord dormir et ensuite on verra ». Voyager, s'occuper des autres, reprendre des études. Si on instaurait un revenu de base, pensez-vous que les autres continueraient à travailler? Environ 80% répondent « non ». Probablement que la majorité ne serait plus motivée pour aller travailler. C'est quoi un travail pour lequel il faut se faire motiver? Sans doute pas le travail que l'on fait pour soi-même. Pour celui-là, on se motive tout seul. Quelle est la motivation pour le travail? Là, ce sont des enfants qui travaillent. Tout à fait normal. À une certaine époque. Et nous, on continue à acheter. On ne sait pas très bien, la marchandise vient d'Extrême-Orient. C'est là-bas qu'est exécutée aujourd'hui une grande partie de ce qu'on appelle les sales boulots. Ou alors, si c'est chez nous, on aime bien avoir des gens qui viennent d'ailleurs. De temps à autre, il peut se faire qu'il manque des papiers, des contrats et la sécurité minimale. Et les congés maladie? Les sales boulots, comme on dit, ne sont pas forcément sales en soi. Mais plutôt à cause de la sale idée que l'on s'en fait, de leur faible rémunération et des mauvaises conditions de travail. Il s'agit souvent de nettoyer la saleté des autres. Au bout du compte, qui est-ce qui salit ce travail? Avec un revenu de base, on peut refuser. Mais à ce moment-là, qui fera les sales boulots? Il y a trois possibilités. Je m'imagine une caissière de supermarché. Elle ne prend certainement pas plaisir à son travail. Si elle avait un revenu de base, est-ce qu'elle irait encore travailler? Posons la question à cette caissière. Oui, personnellement, je n'arrêterai pas de travailler. Parce que je ne peux pas imaginer que je reste à la maison sans rien faire, même si j'ai ce truc de base de 1000 euros. 1000 euros, c'est un chiffre comme ça. Ça pourrait être plus, ou moins. D'abord, honnêtement, ça ne me suffirait pas. C'est pourquoi on l'appelle revenu de base. Cela devrait suffire pour le minimum vital et une intégration dans la société. La plupart des gens voudront gagner plus, comme aujourd'hui. Mais revenons-en à la caisse. Pas vraiment un métier de rêve? Évidemment, on pense toujours au travail à la caisse. Mais on a affaire avec un tas de gens et tout dépend de comment on se sent soi-même. Personnellement, je suis quelqu'un très ouvert. Je n'ai pas de problème et au fond, je me trouve très bien ici. Dans un sens, ça ne changerait pas grand-chose. Je ne supporterais pas de ne pas travailler.
Je m'ennuierais trop. Certaines choses pourraient changer. Je pourrais voyager et voir des choses qu'aujourd'hui je ne peux pas voir, car je dois apprendre un métier. Le stress pour trouver du travail est énorme pour tous. On est là et il n'y a presque plus de place. Si on avait le revenu de base, ce ne serait pas si stressant. Et si on ne conditionnait pas les élèves pour qu'ils trouvent à tout prix la place qui leur convient dans la vie professionnelle? Une place qui n'existe plus pour tous depuis Belle Lurette. Je veux dire, cette situation mensongère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, cette idée intéresse particulièrement les jeunes, parce qu'en fait, on constate aujourd'hui dans les écoles que beaucoup de jeunes ont peur de l'avenir. C'est en fait notoire qu'ils se préparent pour un métier et qu'ils choisissent le moindre mal, de peur de se retrouver sans rien plus tard. Dans le revenu de base, je vois une possibilité et une chance de pouvoir entreprendre ce que l'on veut vraiment et de le faire bien. En même temps, j'y vois une crise de sens. Cela donne du temps et de l'espace pour réfléchir. Et quelle serait l'influence du revenu de base sur le travail lui-même? On répartirait le travail sur un plus grand nombre de personnes, et comme ça, il redeviendrait satisfaisant. Qui parlait de crise de sens? Oui, je crois que nous vivons en grande partie dans une grande illusion. Nous vivons aux dépens de la nature, aux dépens des générations futures, aux dépens de nos partenaires. Nous ne voulons pas savoir que d'autres bossent pour nous. Cette dépendance mutuelle, cette fraternité de fait, si je ne la reconnais pas clairement, j'en suis redevable envers mes semblables. Voilà pour la fraternité. Qu'en est-il de l'égalité dans une démocratie? Pour moi, le revenu de base joue un rôle de démocratisation à des niveaux multiples. Si les gens ont une sécurité matérielle, ils sont plus difficiles à corrompre. Cela permet le développement d'une société démocratique qui profitera aux riches comme aux pauvres. Qu'en est-il de l'art? Même quand je ne crée pas physiquement une œuvre, je continue néanmoins à travailler. C'est là la grande difficulté pour un artiste. Pour créer une nouvelle œuvre, vous n'êtes pas payé pour le temps que vous mettez à vous inspirer de la vie. Il y a le temps réel passé au studio à faire une pièce, mais comment tu te finances pour être en situation d'inspiration? La vie, c'est une forme d'art. Et pour une future maman? Ce serait génial. Je pourrais m'investir comme je le désire dans l'éducation de mon enfant, sans avoir mauvaise conscience. Et je pourrais organiser mon travail comme bon me semble, pas selon les besoins du bureau de placement. Oui, je pense que ce serait très bien, justement dans cette situation. Et lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, il peut quitter plus vite le foyer des parents avec son revenu de base. Mais peut-on devenir adulte quand on sait que son revenu est assuré quoi qu'on fasse? Je n'aurais pas eu besoin d'autant de temps pour faire ma rébellion. J'aurais admis bien plus vite mon intégration dans la vie économique et dans la société, car le prix existentiel à payer n'aurait pas été aussi élevé. J'aurais eu moins de crainte de devoir renoncer à l'essentiel. Le revenu de base change tout dans un tas de domaines et il pourrait déclencher bien des choses. Nous devons de plus en plus nous sentir responsables de tout ce qui se passe sur notre planète. Nous ne pouvons pas nous isoler dans le monde actuel tant il s'est rétréci.
il est décisif que les hommes puissent tout d'abord faire la démarche intellectuelle de la séparation entre travail et revenu. Réaliser intérieurement cette séparation, se dire « j'ai un revenu pour pouvoir travailler » et non pas « je travaille pour avoir un revenu ». Personnellement, je considère le revenu de base comme une sorte de point d'appui d'Archimède, à la suite duquel se poseront des quantités de questions. Mais on n'arrivera pas à grand-chose si on s'attaque à trop de problèmes à la fois. On ne progressera que si on table sur la force de l'individu. Tout en dépendra. Thomas Paine est un théoricien des droits de l'homme et l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui a inventé ce nom. Son ouvrage, Le sens commun, a été l'un des déclencheurs de la Révolution américaine. Ses idées ont largement influencé la première constitution démocratique du monde. En vérité, nous considérons que tous les êtres humains ont été créés égaux, qu'ils ont tous été dotés de certains droits inaliénables comme la vie, l'amour, la liberté et l'aspiration au bonheur. Rights of Man, les droits de l'homme, monstrueux à l'époque, mais aujourd'hui encore. Les mêmes droits pour tous parce que nous sommes tous des êtres humains? Complètement idiots. Pour avoir des droits, il faut être propriétaire. Et que pourraient en faire les autres à part devenir arrogants? Les droits de l'homme? Mais cela signifierait l'abolition de l'esclavage. Et qui fera le service et tous les sales boulots qu'on ne veut ni payer ni même reconnaître? Ces mêmes peurs surgissent encore aujourd'hui à l'idée du revenu de base. L'économie serait anéantie, la société tomberait dans le chaos. Mais ce fut bien pire encore lorsque la terre devint ronde. L'Église se raccrocha longtemps à la galette. Celle-ci était entourée des eaux du chaos, et celui qui s'approchait par trop près du bord tombait dans le néant. Cette galette était sous la voûte d'un firmament fixe, où les astres décrivaient leur orbite. Au-delà, des sphères abritaient les puissances célestes qui inspiraient aux hommes la peur ou l'espoir. C'est exactement notre façon de considérer aujourd'hui l'argent et l'économie. Toute une conception du monde, de l'ordre social, de la sécurité, découlait autrefois de la représentation de la galette. Et chaque époque s'imagine à nouveau que la terre est plate et que quelqu'un trône au-dessus. D'ailleurs, comment est-ce que ça pourrait marcher que la terre soit ronde? Lorsqu'enfin elle fut ronde, elle continua évidemment de trôner au centre de l'univers et ne tourna pas autour d'elle-même. Ce qui rendit la tâche de déterminer la trajectoire des planètes extrêmement ardue. Autrement dit, tout dépend de l'endroit où l'on se place. Il en va de même avec le revenu de base. La difficulté vient de ce que j'ignore dans quel sens je vais évoluer. J'arrive très vite à la limite de la compréhension si je prends comme point de départ la société actuelle et que je la considère comme un système immuable, reposant sur les idéologies bien ficelées
qui me sont familières. Tout devient beaucoup plus simple si ma démarche part de l'être humain et du devenir. Chaque système est en soi cohérent et ne peut pas basculer de lui-même dans un nouveau système. Seul l'homme en est capable. Voler a été durant des millénaires pour l'homme une utopie. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Aujourd'hui, cela va de soi. Un autre exemple, le droit de vote. Une société peut-elle fonctionner si chacun y met son grain de sel? Comment le simple citoyen, avec son horizon limité et ses intérêts plutôt personnels, pourrait-il décider de ce qui est bon pour l'État dans son ensemble? Et ensuite, on a découvert que parmi les citoyens, il n'y avait pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Vous vous imaginez? Les femmes sont bien trop sensibles. Il faut les protéger de mettre tout sans dessus-dessous avec leurs décisions. Et qui fera le ménage? Ce sont les mêmes arguments qui surgissent aujourd'hui contre le revenu de base. En Suisse, le droit de vote des femmes fut introduit en 1971. On était allé sur la Lune 3 ans auparavant. Peu de temps avant ce bouleversement, personne ne pensait que ça pouvait marcher de s'opposer ainsi au pouvoir établi. Mais ce qui n'aurait pas dû fonctionner fonctionne aujourd'hui très bien. Le citoyen n'est plus dirigé par l'État. Désormais, c'est le contraire. Chaque individu est politiquement souverain et il donne un mandat à l'État lors d'élections libres et de votations populaires. Le travail n'est plus seulement dicté par le marché du travail et l'homme seulement soumis à l'économie. C'est le contraire. Chaque individu est économiquement souverain et il s'engage librement pour un travail. Avec le revenu de base qui est un droit pour chacun. Thomas More était Lord Chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII. En 1535, on lui coupa la tête parce qu'il refusait de prêter main forte au règne de l'injustice. En 1935, l'Église catholique le canonisa. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II le déclara patron protecteur de tous les gouvernants et de tous les politiciens. Thomas More est l'auteur de Utopia, le compte-rendu d'un voyage imaginaire sur une île de meilleure gouvernance. D'autres hommes de lettres s'en inspirèrent. Depuis la parution de ce livre, on parle d'utopie, ou topos, veut dire le non-lieu, le lieu que l'on n'a pas encore trouvé ici et maintenant, sur Terre, à part dans mon imagination. L'idée d'un revenu de base se trouve déjà dans les utopies sociales de la Renaissance. L'utopie est le lieu à partir duquel on peut dire où l'on se situe soi-même. Chaque époque réalise ce que la précédente n'a fait que penser. Les lumières. Je dis tout haut ce que je vois, ce que je pense pour être la vérité, et je rends mon savoir accessible à tous. Chaque époque a ses nouvelles lumières. De quoi s'agit-il ? Il sera très important d'avoir la capacité de penser et d'examiner de manière autonome, car dans les phases de bouleversement, les modèles de pensée hérités des parents, des maîtres, des pasteurs ou des docteurs en tout genre s'avère subitement faux ou limité. Il faut alors rapidement élaborer un nouveau modèle de pensée et le consolider. Lorsque l'on veut gravir le Cervin, il faut penser à se lever tôt le matin, car il faut être au sommet à midi pour ne pas redescendre dans la nuit et le froid. Chaque Suisse le sait. En ce qui concerne la consommation de pétrole, nous sommes arrivés au sommet sans nous soucier de savoir comment on allait redescendre.
Le peak of oil, la plus grande capacité d'exploitation de pétrole possible, sera bientôt atteint. Ensuite, la descente sera raide. Sur le plan du travail rémunéré, le plein emploi est également une phase provisoire. Un sommet. Le travail rémunéré a déjà dépassé son pic. En 1995, le futurologue Jeremy Rifkin prophétisait déjà les conséquences de la fin du plein emploi. Les pronostics de Rifkin sont controversés, mais ils ne sont pas sans fondement. En 1982, la production d'acier aux USA se chiffrait à 75 millions de tonnes et occupait 300 000 travailleurs. En 2002, 100 millions de tonnes furent produites avec seulement un quart des effectifs, soit 74 000 travailleurs. En même temps sont apparues de nouvelles places de travail, quelques centaines peut-être, dans le consulting et les technologies hautement spécialisées. Ce n'est pas le privilège de la production industrielle classique. Le même processus s'observe dans bien des domaines appartenant au secteur des services. La banque online en est un exemple extrême qui illustre néanmoins toute une évolution. Pour le même nombre de clients, elle n'a besoin que du dixième de l'effectif d'une banque conventionnelle. Ce développement ne se limite pas aux pays industrialisés. Il se manifeste dans le monde entier. Partout, les effectifs diminuent, alors que la productivité augmente. Là où le travail ne devient pas culture du travail, tout devient monoculture. Ce qui vit est la limite de la rationalisation. À l'avenir, les places de travail ressembleront à celles des artistes et des publicistes, non sous forme d'entreprise. Alternativement, beaucoup, puis peu d'argent. Beaucoup, puis peu de travail. Seul, puis en équipe. Et la plupart du temps, à durée déterminée et à la maison. Les temps nouveaux exigeront qu'on se laisse plus mener par la haine et la peur, mais qu'on réalise ses visions les plus hautes, de la meilleure manière possible. Il y a 100 ans, quelqu'un qui travaillait dans l'agriculture produisait assez pour 3 autres personnes. Aujourd'hui, un agriculteur produit assez pour 120 personnes. Pourquoi ? On le voit ici. C'est comme ça. Et bientôt, il en sera ainsi presque partout. Aujourd'hui, un seul ouvrier fait tourner 100 fois plus qu'il y a 100 ans. C'était le but des générations qui nous ont précédés. Quel est le but aujourd'hui? Que tout continue dans le même sens et que la marche en avant soit un retour en arrière pour toujours plus d'humains? Un retour à la peur de nos ancêtres pour la survie, comme si nous n'avions pas besoin de nouvelles idées? Aujourd'hui, l'innovation technique semble aller de soi. Il en va cependant tout autrement de l'innovation sociale. Faut-il pour cela que la barque fasse naufrage? Lorsque l'esprit ne progresse pas, le corps régresse. Les changements sociaux nécessitent d'autres forces que celles qui entraînent les machines. Dans le sillage du progrès, le social tangue. Qu'en est-il de l'état social? Pour reconnaître et décrire quelque chose de vivant, il faut d'abord en extraire l'esprit. On a alors les morceaux en main. Hélas, il manque encore.
le lien spirituel. Je ne vous comprends pas très bien. Tous ces propos me rendent bête, comme si ça moulinait dans ma tête. C'est ce qui se passe lorsque tout devient plus simple, grâce à encore plus de formulaires et encore moins de collaborateurs. Si le contrôle et la méfiance étaient les moteurs qui font avancer une société, alors l'Allemagne de l'Ouest aurait absorbé l'Allemagne de l'Est. Que se passe-t-il avec la justice? Et pourquoi chaque doigt de ma main a-t-il une longueur différente? Une performance a-t-elle vraiment besoin d'une contre-performance? Le malentendu commence lorsqu'on croit aller au travail pour soi-même, parce qu'on en retire un revenu. Pourtant, tout le monde a un revenu, car tout le monde en a besoin. Chacun est redevable des prestations des autres. Si le revenu était seulement lié au travail, il faudrait donner les plus hauts revenus aux machines. En fait, les hommes qui cèdent leur travail aux machines ont tout de même besoin de revenus. Bien entendu, le revenu de base ne supprime pas le travail rémunéré. Il ne lui enlève que son monopole. Et il donne plus de marge de manœuvre pour les choses sérieuses. Et le sens ne se trouve pas seulement dans la fonction. Il y a bientôt 50 ans, en Suisse, une machine à laver coûtait 3550 francs. C'était beaucoup d'argent. 50 ans après, la même machine coûte 3195 francs. Le prix est resté quasiment le même. Mais un franc valait alors trois fois plus que maintenant. C'est-à-dire que la machine coûte aujourd'hui le tiers de ce qu'elle coûtait il y a 50 ans. Une coupe de cheveux coûtait environ 3,50 francs. Et aujourd'hui, environ 40 francs. Autrement dit, là où on a pu optimiser les méthodes et utiliser la technologie, là où le travail humain a diminué, les coûts ont baissé. Par contre, là où ce n'était pas possible, par exemple chez le coiffeur, les coûts ont augmenté. Le travail humain coûte cher. Parce que les hommes ont besoin d'un revenu et qu'ils paient un impôt sur ce revenu. Si nous considérons son pouvoir d'achat, le coiffeur ne gagne pas plus aujourd'hui qu'autrefois. C'est en comparant ces évolutions de prix qu'on peut voir le genre de travail qui peut être rationalisé et celui qui ne peut pas. Et on comprend ce que signifie pour nous la rationalisation. Si le prix de la machine à laver avait suivi celui de la coupe de cheveux, elle coûterait aujourd'hui 40 000 francs. Si je ne connais pas toutes les charges dont la machine à laver m'a libéré, à part qu'elle lave mon linge, je ne peux pas savoir non plus si le revenu de base a le caractère d'une impulsion culturelle. Il y a 212 ans, dans son ouvrage Agrarian Justice, Thomas Paine réclamait déjà un revenu de base. Il argumentait ainsi : tous les hommes naissent égaux et la terre nourrit tout le monde. Lorsqu'un être humain vient au monde, il a droit à un morceau de terre pour se nourrir. Mais lorsque la terre est déjà entièrement partagée entre quelques-uns qui pensent qu'elle leur appartient, il faut créer une compensation. Cette compensation est un revenu de base pour ceux qui n'ont pas de terre et ne peuvent ainsi subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Mais depuis, le vent a tourné. Même celui qui possède la terre ne peut plus subvenir à ses propres besoins. Cela va mieux pour tout le monde si je ne dois pas construire moi-même mon tracteur et si mon champ ne sert pas seulement à mes propres besoins. Car le fruit de mon travail est toujours pour les autres. L'autosuffisance signifie que je fais pousser mes propres légumes et que je vis de ce que je peux produire. Ce qui, dans nos pays, ressemble à une production vivrière
n'en est pas une à proprement parler, mais plutôt un terrain d'expérience. Notre vie dépend de ce que les autres produisent. Tout mon travail est accompli pour les autres, et tout ce dont j'ai besoin a été produit par d'autres. C'est avec l'argent que cette interaction fonctionne. La valeur produite par le travail se concrétise lorsque le fromage est payé par l'acheteur. Je crois que ce que je fais est pour moi parce que je suis payé pour le faire. En enfer, il y a un bon repas et de fort longues cuillères. Chacun en prend une. Au ciel, tout est exactement pareil. Il y a un bon repas et des cuillères. Chacun en prend une. Avec ce changement de paradigme, c'est une honte de faire mordre la poussière à celui qui travaille pour moi et qui ne peut pas vivre de son travail. Pour moi, le signe des temps nouveaux, c'est l'individualisation absolue de la société. Les hommes ont des buts personnels, des représentations personnelles, et ils recherchent les moyens de les réaliser. L'argent joue un rôle énorme dans une société caractérisée par la division du travail. Autrement dit, l'argent comme moyen d'être libre, c'est à cela qu'on en revient toujours. Mais beaucoup de gens ne parviennent ni à éviter l'esclavage de l'argent, ni à poursuivre leur réelle aspiration à la liberté. C'est le côté tragique et aussi ironique de la situation présente. Devenir l'esclave de l'argent, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est mesurer chaque action à l'aune de l'argent. Comme si l'argent était la valeur en soi, et qu'il fallait toujours en avoir plus, prendre toujours plus de pouvoir sur l'argent des autres et sur leur espace vital. Les esclaves de l'argent réduisent les autres en esclavage par la valeur qu'ils donnent à l'argent. Avec le revenu de base inconditionnel, une partie de la totalité de l'argent servirait, par décision démocratique, à donner à chacun les moyens de sa liberté. L'homme serait roi, et l'argent à son service. Est-ce que cela créerait aussi de meilleures conditions pour la situation globale ?
Absolument. Cela créerait la possibilité de faire ce qui est nécessaire dans le monde. Les gérants de fortune nous disent que le grand problème, c'est qu'il y a des masses d'argent, trop d'argent. En même temps, il y a presque partout des surcapacités de production. Et nous avons un chômage qui ne fait que croître, alors qu'il y a partout des travaux non exécutés. Il y a donc beaucoup de choses que l'on peut et doit changer d'urgence, si l'on ne veut pas sombrer dans une catastrophe globale. L'eau est un aliment. Comme tous les autres aliments, l'eau devrait avoir une valeur marchande. Un enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné. L'argent ne va pas là où on en a besoin. Il se barricade loin des réalités sociales et s'auto-reproduit. Devant la porte, c'est la pénurie. Les grosses sommes nouent entre elles des rapports incestueux. Ce qui sort de là n'a plus rien à voir avec l'amélioration des conditions de vie pour tous. En réalité, nous avons affaire à un système débridé qui est en train d'imploser. De quoi sera fait l'avenir? Les paris sont ouverts. La réalité nous montre toujours plus clairement que le revenu doit être séparé du travail. À mon avis, le revenu de base apporterait aussi une solution pour les chômeurs, car il y a une quantité incroyable de travail, mais il n'y a pas d'argent pour le payer. Le revenu de base serait une façon d'introduire l'argent là où il répond à un besoin de libérer les hommes, pour qu'ils puissent faire ce pour quoi ils sont doués. Découpler travail et revenu. Le revenu de base le fait jusqu'à hauteur de son montant. Comment organiser cela dans une société? Le cercle représente la création de valeur dans une économie nationale. Plus celle-ci est productive, plus le cercle grandit. Par création de valeur, on entend la somme de tous les biens et services produits et vendus dans le pays pendant une année. Cette création de valeur se compose d'une partie publique et d'une partie privée. La moitié environ de la valeur créée va à l'État par le canal des impôts et autres prélèvements obligatoires. De cette manière, nous payons nos écoles, notre police, nos prestations sociales, ainsi que tous les services assurés par l'État. Ce sont des prestations qui ne sont pas à la charge de l'individu, mais que nous voulons financer en commun, des prestations qui font l'objet d'un mandat démocratique. En Suisse, pour l'année 2005, cette quote-part de l'État représentait 36%. En Suède, 56%. En Autriche, exactement la moitié de la valeur créée dans le pays. En Allemagne, 47%. Qu'en serait-il avec le revenu de base? Pour tous les salaires versés par l'État, le revenu de base ne signifierait qu'une autre manière de verser l'argent. Car l'État obtient déjà l'argent par l'intermédiaire des impôts. Aujourd'hui aussi, c'est avec l'argent des impôts que l'État paie ses employés, les fonctionnaires et les ayants droit à des prestations de transfert. Pour tous ces revenus, le paiement d'un revenu de base ne demanderait qu'un changement dans la comptabilité. Pour les revenus privés, l'argent pour le revenu de base n'est pas encore dans les caisses de l'État. Il faut d'abord qu'il arrive à l'État par voie fiscale, avant d'être distribué sous forme du revenu de base. La quote-part de l'État augmente alors sensiblement. Cela signifie-t-il encore plus d'État? Non, cela signifie moins d'État, moins d'inquisition, moins de mise sous tutelle, moins d'administration. L'État ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, de fiduciaire et de garant du droit au revenu de base. Mais les impôts vont augmenter. De quel impôt pourrait-il s'agir?
A priori, il semble plus simple de prendre l'argent chez ceux qui gagnent le plus. C'était déjà l'idée de Milton Friedman, économiste. Financer une sorte de revenu de base par l'impôt sur le revenu. Les ménages nécessiteux auraient reçu un impôt négatif sur le revenu. Après avoir été développé dans les années 60 et presque introduit aux États-Unis, son modèle domina les débats sur le financement d'un revenu de base jusque dans les années 90. Pour Milton Friedman, l'État social devait être svelte et libéral. 50 ans plus tard, on ferait donc reposer le revenu de base sur un avoir qui ne va qu'en diminuant, celui du travail rémunéré. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'État social. Toujours plus de chômeurs et toujours moins de masse salariale à imposer. L'augmentation de l'impôt sur le revenu augmente les charges sur le travail rémunéré. Le chat se mord la queue. Le non-sens de l'impôt sur le revenu, c'est qu'il frappe le travail et sape ainsi sa propre base. De quel impôt pourrait-il donc s'agir aujourd'hui ? Examinons la chose concrètement dans cette entreprise. Une cafétéria à Bâle, avec plus de 1000 clients par jour, 40 collaborateurs, 3,5 millions de francs de chiffre d'affaires annuel. Qu'en est-il des impôts ? Dans une entreprise, les impôts sont toujours des coûts que la vente doit couvrir, sans quoi il n'y aurait bientôt plus d'entreprise. En principe, il existe trois types d'impôts. La TVA, qui est payée directement par le consommateur, les charges salariales et l'impôt sur le revenu. La TVA figure sur chaque quittance. Elle est visible. Elle ne représente pas de frais pour l'entreprise et n'apparaît pas dans son bilan. Qu'en est-il des charges salariales ? Là, je dois faire comme si l'employé et le patron payaient chacun leur part. Puisque c'est la loi, je ne peux pas l'éviter. Je dois faire figurer la part de l'employé sur sa fiche de paye ainsi que dans la comptabilité. Mais c'est l'entreprise qui verse les deux parts au fisc. Et cette somme vient évidemment des clients. Avec leur salaire, les employés reçoivent l'argent pour payer leurs propres impôts. Charge à eux de le verser au fisc. Bien entendu, ces impôts sur le revenu du personnel sont également intégrés dans les prix de vente. Qu'est-ce que je paye alors pour mon café au lait ? Dans cet établissement, il coûte 5 francs 20. Un quart de ce prix sert à couvrir les frais d'infrastructure. Le bâtiment, l'énergie, le mobilier, la vaisselle. Un autre quart sert à payer les marchandises. Le lait, le café, et pour celui qui veut, encore un peu de sucre. La plus grande partie du prix sert à payer les salaires, le service, mais aussi le nettoyage et la gestion. Ensuite se rajoute la TVA, seulement 7,6% en Suisse. C'est un impôt qui n'est payé qu'au moment où le client achète et que tout le travail de création de valeur est récompensé. Mais si le plateau échappe au serveur, c'en est fini de la création de valeur. Même si, depuis les pâturages jusqu'ici, le café au lait a demandé bien du travail. Un café au lait renversé n'est pas un café au lait, et la TVA ne sera pas payée non plus. La TVA se situe à la fin de la création de valeur et figure bien en évidence sur la quittance. Mais il y a aussi des impôts invisibles, inclus dans le prix, qui ont été prélevés durant le processus de création de valeur. Dans les salaires, ce sont les impôts sur le revenu, les charges salariales et les charges sociales. Dans le coût des marchandises, il y a également des impôts, car il y a là aussi des salaires, notamment ceux qui ont été payés par les producteurs de lait, de sucre, de café et qui ont été intégrés dans les prix. Il en va de même pour les frais d'infrastructure. C'est toujours le consommateur qui paye. Car c'est avec l'argent qu'il dépense que tout le reste devra être payé, y compris l'impôt. Je m'explique. Si tous les impôts étaient réunis en une somme invisible, comme la TVA,
prélevée à la fin de la création de valeur, alors le fisc ne grignoterait pas la valeur des pommes vertes, mais attendrait qu'elles soient mûres. Chacun pourrait alors voir à hauteur de combien il contribue aux finances et à la bonne marche de l'État. La démocratie se réaliserait à la caisse. À la caisse, tous les citoyens sont égaux. Et le travail au noir ? Il n'y aurait plus de travail au noir si l'impôt se réduisait à la TVA, car il n'y aurait plus d'impôt prélevé sur le travail. En revanche, les ventes au noir seraient une très grande tentation. Payer une coupe de cheveux seulement 20 francs versée en sous-main, cela ferait une très grande différence. Là où la vente se fait sans quittance, on pourrait échapper à la TVA. Mais s'il n'y avait plus que ce type d'impôt, les inspecteurs fiscaux seraient certainement très efficaces pour traquer les tricheries. En revanche, on aurait moins besoin de conseillers fiscaux. Une grande partie du travail bureaucratique diminuerait, tant dans les administrations publiques que privées. Dans un monde sans frontières, l'État n'a une chance de percevoir des impôts de manière durable que s'il trouve un type d'impôt qui ne peut pas lui échapper. Cet impôt qui ne peut pas lui échapper, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est payée là où le consommateur dépense son argent. C'est pourquoi on peut aussi l'appeler impôt sur la consommation. Cet impôt n'est pas payé par celui qui apporte le café au lait, mais par celui qui le consomme. L'impôt sur le revenu, en revanche, fait comme si mon revenu était le produit de mon travail, parce que c'est ce que je ramène à la maison. Il est le revenu de l'économie de subsistance, mais il pose problème dans une économie de marché. Plus de retraités, plus de chômeurs. Aucun problème pour les finances publiques avec l'impôt sur la consommation. Car on consomme toujours et on produit en suffisance. Or, c'est là qu'apparaît le prochain problème posé par l'impôt sur le revenu, car il n'y a pas d'impôt sur le travail de la machine. Si deux produits de même prix demandent plus ou moins de travail humain, l'impôt sur le revenu n'est pas le même. Dans un cas, il y a beaucoup d'impôts à payer, et dans l'autre, il y en a peu. Dans un cas, il y a beaucoup d'impôts à payer, et dans l'autre, il y en a peu. Comme les machines ne touchent pas de salaire, leur travail est largement exempté d'impôts. Comme s'il s'agissait de travail au noir. À gauche, c'est l'exemple du coiffeur. À droite, celui de la machine à laver. Comme les impôts sont prélevés sur le travail humain, il y en a beaucoup dans le premier cas et peu dans le second. Par contre, si l'on considère la création de valeur de chaque produit sans les impôts et que l'on impose chaque produit au même taux de TVA jusqu'à obtenir le même montant total d'impôts, en vert, que le montant total d'avant, en rouge, le premier produit coûtera moins qu'avant et l'autre davantage. Le travail humain et le travail de la machine seraient imposés de la même manière, car l'impôt ne serait perçu que sur le résultat de la création de valeur. La machine ne déchargerait plus seulement l'être humain de son travail, mais également d'une partie de l'impôt. Enfin, si le prix de la coupe de cheveux ne diminuait pas, les recettes fiscales augmenteraient considérablement. L'impôt sur la consommation serait prélevé sur toutes les importations destinées à la vente. La production du pays serait imposée de la même manière. Cet impôt frappe tout ce qui est vendu dans le pays, car il profite à ceux qui vivent dans le pays. Inversement, l'impôt sur la consommation n'est pas un bien d'exportation. Le produit qui franchit la frontière n'emporte pas sa charge fiscale avec lui. Chaque État reste souverain en ce qui concerne l'ampleur et le financement de son budget. L'impôt sur la consommation est le seul impôt équitable à l'heure de la globalisation. C'est un impôt équitable pour un commerce équitable. C'est ici que fut inventé l'impôt sur la vente. Voici la terrasse de Brühl sur les berges de l'Elbe à Dresde. Le comte Heinrich von Brühl
a eu l'idée d'un prélèvement sur chaque vente dans le pays. Deux siècles plus tard, on introduisit en République fédérale d'Allemagne une taxe semblable, mais calculée autrement, la taxe sur la valeur ajoutée. Elle donne plus d'espace à la division du travail et reste neutre quant à la concurrence. En Allemagne, avec un taux de 19%, elle fournit la plus grande part des recettes fiscales. En Suède, son taux est de 25%. La TVA est une exigence pour l'entrée dans l'Union européenne. C'est l'impôt de l'avenir, c'est l'impôt de l'économie de marché. Le docteur Hartdorp est une personnalité qui œuvra à l'introduction de la TVA en Allemagne. Il l'appelle « impôt sur les dépenses » ou « impôt sur la consommation » et pense que ce devrait être le seul et unique impôt. La TVA, comme impôt unique, ce serait la méthode la plus simple. Elle dispense de toutes les déclarations d'impôt. Mais si la TVA reste le seul impôt, qu'en sera-t-il du plancher de taxation? Car le plancher de taxation est la composante sociale du calcul de l'impôt. Avec la TVA, le taux d'imposition est le même pour les pauvres et les riches. Qu'allons-nous faire de la composante sociale? Alors, on fait comme ça. On restitue la TVA aux gens pour un montant correspondant à leurs besoins de base. Cette restitution, c'est le revenu de base. La boucle est bouclée. Ainsi, nous en sommes revenus au revenu de base. Non pas à partir de la question du financement, mais en nous demandant comment faire de la TVA un impôt social. En tant que plancher de taxation, le revenu de base apparaît dès lors comme une suite logique de la TVA. En même temps, son inconditionnalité devient une évidence. Faisons un rapide calcul. Admettons que le revenu de base soit fixé à 1 000 euros. Une somme due à chacun, au titre de plancher de taxation, est versée indépendamment des revenus. Celui qui ne gagne rien de plus dispose de 1 000 euros. Les autres ont en plus leurs revenus privés. Celui qui reçoit un salaire de 500 euros aurait alors un revenu total de 1 500 euros. Avec un salaire de 1 000 euros, on obtient un revenu total de 2 000 euros, etc. Dans cet exemple, chacun reçoit le revenu de base de 1 000 euros comme s'il s'agissait d'un retour d'impôt. Quels seront alors les impôts que l'on paiera? Si l'imposition du travail disparaît, et si tout l'impôt est prélevé par la TVA sur le résultat de la création de valeur, le taux de celle-ci se situera vers 100%. La moitié du prix à la consommation ira alors au fisc. En payant un produit 10 euros, on paye 5 euros d'impôt. Celui qui dépense 1 000 euros paye 500 euros d'impôt. Mais comme il a reçu 1 000 euros du fisc pour son revenu de base, en réalité, il paie moins 500 euros. Plus exactement, il touche 500 euros de l'administration fiscale. De même, sur les 1 500 euros dépensés par un autre, la moitié, soit 750 euros, va au fisc. Comme il a droit lui aussi à ses 1 000 euros de revenu de base, il ne paie en fait que moins 250 euros. C'est-à-dire qu'il reçoit 250 euros. Une dépense de 2 000 euros contient 1 000 euros d'impôt, l'équivalent du revenu de base. Ce consommateur n'a donc rien payé ni reçu du fisc. En réalité, ce n'est qu'à partir d'une dépense supérieure au double du revenu de base que le consommateur est imposé. Ainsi, une consommation de 3 000 euros contiendra 500 euros d'impôt, etc. Autrement dit, si on tient compte du revenu de base, le plancher de taxation réel se situe à 2 000 euros de revenus consommés. À partir de ce niveau, le taux d'imposition de ce revenu est progressif. Pour 3 000 euros de consommation, ce taux est de 17%.
Pour 5 000 euros, il monte à 30%. Pour des revenus consommés plus élevés, le taux peut aller jusqu'à 50%. Du côté négatif, dépenses en dessous de 2 000 euros, la progression est analogue. Avec le revenu de base, la progressivité sociale du taux d'imposition de la TVA serait assurée, et surtout efficace. Un reproche classique de la gauche contre la TVA, c'est qu'elle est régressive. Comme il s'agit d'un impôt sur la consommation et non pas d'un impôt sur le revenu, les catégories modestes de la population contribuent proportionnellement davantage que les catégories aisées. Mais le fonctionnement actuel de l'impôt sur le revenu n'est plus du tout progressif. Les contribuables aisés ont toutes les possibilités de s'arranger avec le fisc ou de le contourner. Celui qui en a les moyens peut trouver comment minimiser ses revenus pour qu'on ne mette pas la main dessus. Celui qui n'a pas ses moyens ne peut que se soumettre. En définitive, l'impôt sur le revenu est intégré dans les prix avec la progression, sans pour autant qu'un quelconque revenu de base ne permette de créer une compensation sociale. L'impôt sur le revenu n'est plus que de la poudre aux yeux. Autrement dit, il nous dispense d'y regarder de plus près. Voilà comment se présente l'impôt perçu en une fois sur le prix du produit fini. Et comment il se présente quand il est perçu tout au long de la fabrication du produit. Les frais de salaire représentent alors la moitié du prix. À droite, ils ne comptent plus que pour un quart. À gauche, les salaires exercent une grande pression sur les coûts, parce qu'ils en représentent une grande partie. On licencie plus vite. On intensifie le travail jusqu'aux limites du supportable et il n'y a pas de marge pour essayer autre chose. À droite, il y a moins de stress, plus de marge de manœuvre pour s'adapter aux fluctuations, voire engager un collaborateur de plus. C'est ainsi que la TVA exerce ses effets sur le travail. Le revenu de base va dans la même direction. Une partie du revenu de base est déjà couverte par l'impôt existant. L'autre partie, comme nous l'avons vu, fait certes augmenter l'impôt, mais revient à chacun à travers le revenu de base, y compris à ceux qui travaillent en amont, dans la production de biens intermédiaires ou dans des travaux d'infrastructure. L'impôt ne frappe que le produit fini, lorsque celui-ci est entre les mains du consommateur. Voici donc la composition du prix du café au lait lorsqu'il est servi au consommateur. Le tiers inférieur, les salaires, les marchandises et les infrastructures. Le tiers médian, le revenu de base, et le tiers supérieur, les autres prestations des administrations publiques. Du reste, tous les prix sont des revenus. Le tiers inférieur représente les revenus de ceux qui sont directement engagés dans la création de valeur. Le tiers supérieur représente les revenus des personnes qui travaillent à l'établissement des conditions cadres ou exercent des fonctions publiques. Le tiers médian est le prix du revenu de base pour tous. Dans ce restaurant, la charge salariale ne correspondrait plus à la moitié des coûts, mais à environ un sixième. Les collaborateurs et collaboratrices disposeraient néanmoins d'un revenu égal, à gauche après déduction des impôts, et à droite en comptant le revenu de base. Et le prix du café au lait est resté le même. Le revenu total reste le même. Car le revenu de base remplace une partie du revenu du travail. Voilà le principe. En pratique, le revenu de base crée une nouvelle force dans la négociation du salaire. Si le travail ne me procure qu'un peu de pouvoir d'achat supplémentaire, peut-être que je préférerais rester à la maison, m'occuper des enfants, qui d'ailleurs ont aussi un revenu de base, ou bien je me laisserais séduire par mon hamac, pas au bureau. Mais chez moi. Enfin, n'importe quoi. Avec le revenu de base, celui qui démissionne en son fort intérieur peut aussi l'affirmer haut et fort. Il peut alors développer quelque chose de personnel, seul ou avec d'autres. Plutôt être convaincu par des projets que
que par un revenu. Car tout le monde va au travail en ayant déjà un revenu. On peut dès lors entreprendre quelque chose de nouveau. On peut demander à d'autres s'ils veulent participer, car ils ont également un revenu de base. Mais peut-être que je ne désire rien d'autre que de continuer mon travail. Le revenu de base introduit alors l'égalité dans la négociation du salaire. Il donne plus de poids à ma propre conception du travail et permet une réelle collaboration. Et peut-être qu'il faudra que l'employeur me paie un peu plus. Il s'ensuivra pas mal de changements dans la culture d'entreprise. Quel est le montant des revenus du travail? Cela fera l'objet d'une nouvelle négociation. Cette négociation présente de nombreuses facettes. Si dans une famille, seul l'un des partenaires ramène un salaire, les enfants ne rapportant que des allocations, alors l'autre partenaire a un revenu par son conjoint. Et les enfants aussi. Le revenu de base, à hauteur de son montant, casse la relation entre revenu et appartenance à l'entreprise, ou à la famille. Ainsi, la démocratie parvient dans sa totalité jusqu'à l'individu. Le revenu de base est un facteur d'émancipation. Plus d'égalité dans la famille et plus de chances sur le marché du travail. Willy et Hans sont des collègues dans la même entreprise. Ils ont le même travail et le même salaire. Nous sommes en Suisse et avec 10 000 francs, on peut vivre bien. Encore cela dépend-il du nombre de personnes qui doivent en vivre. Hans a une famille, une femme et deux enfants. En admettant qu'en Suisse, le revenu de base se monte à 2500 francs et que les enfants en touchent la moitié, la famille toucherait le revenu de base de Hans, de sa femme et des enfants, soit un total de 7500 francs. Auparavant, Hans devait gagner 10 000 francs. Et maintenant, il peut aller travailler pour un salaire de 2500 francs. Le revenu de la famille reste le même. Willy vit seul. Ah oui, il a un chien. Mais les chiens ne touchent pas de revenu de base. Avec son revenu de base, il a le même revenu total s'il travaille encore pour 7500 francs. Conclusion. Maintenant, Hans est clairement avantagé sur le marché du travail. Car ayant une famille, il a un revenu de base important et bénéficie ainsi d'un pouvoir de négociation plus fort, sans que sa famille n'ait à en faire les frais. Comment va se passer la négociation des salaires? Il est illusoire de croire que des rémunérations complètement différentes puissent être versées pour un même travail. Il ne sera pas possible que le montant du salaire s'oriente exclusivement vers celui de Willy ou vers celui de Hans. Quelque chose de nouveau va en résulter. Le niveau de salaire se situera quelque part entre les deux, c'est-à-dire vers 5000 francs. Même entreprise, même travail, même salaire. 5000 francs pour Willy, comme pour Hans. Mais Hans, avec sa famille, reçoit alors davantage qu'aujourd'hui, et Willy, malgré tout, un peu moins. À côté de la création de valeurs mesurables en argent, il y a une autre création de valeurs qu'on ne peut pas comptabiliser. La création de valeurs bénévoles, sociales, culturelles ou humaines. Avec l'introduction du revenu de base, cette création de valeurs non rémunérées prendrait de l'ampleur. Par exemple, dans la santé, les soins donnés par dévouement, ou encore l'activité spirituelle, le temps consacré aux autres. Une formation qui valorise, la libre recherche dans tous les domaines de la vie et une liberté d'entreprise pour créer des impulsions nouvelles. Des activités qui ne se laissent ni rationaliser, ni rémunérer. Le revenu de base nous laisserait du temps pour nous poser la question du sens de la vie. L'activité consacrée à créer de la valeur marchande irait-elle pour autant en diminuant? C'est possible. Si l'on ne travaille que 2 jours par semaine pour se consacrer le reste du temps à une grand-mère qui, d'ailleurs, touche aussi un revenu de base. Avec l'automatisation généralisée que nous avons aujourd'hui,
cela ne provoquerait pas une baisse de la production. Sur la base d'une société plus saine, plus sereine, plus sûre d'elle et plus imaginative, bien des choses trouveraient une nouvelle valeur. Des projets qui restent aujourd'hui dans les cartons deviendraient alors réalité. La dynamique économique en sortirait renforcée, ainsi que la création de valeurs mesurables en argent. De quoi avons-nous le plus besoin aujourd'hui ? Vertrauen. De confiance. Et de quoi souffrez-vous le plus ? Kälte. Du froid. Le revenu de base, c'est fantaisiste ou raisonnable ? Je pense que c'est rationnel et économique. Pourquoi alors n'avons-nous pas encore de revenus de base ? Il y a en nous une collision entre notre boussole intérieure et le problème devant lequel nous sommes. Nous ne parvenons pas à les concilier. Et comme nous ne sommes pas encore assez loin pour nous demander s'il y a quelque chose qui cloche dans nos convictions, pour nous demander si nos convictions sont encore adaptées à notre temps, nous nous accrochons à ce que nous avons. Tout est orienté, les écoles, les universités, tout, vers la société du travail. Nous ne pouvons renoncer à cette orientation. Au fond, il s'agit d'un symptôme. S'accrocher à de vieilles conceptions dans une situation nouvelle, comme celle que nous vivons maintenant, est symptomatique du fait que ces vieilles conceptions nous ont déjà lâchés. Il ne s'agit pas de continuer à faire fonctionner le système actuel, mais d'envisager des alternatives, des systèmes concrets, visibles. En ce sens, l'idée du revenu de base, même si nous commençons à la réaliser sur un plan régional, représente une alternative que je considère comme excellente, parce qu'elle propose un ordre différent, mais pas quelque chose d'incongru ni d'irréalisable. Un revenu de base n'est pas une aumône, ce n'est pas une assistance. Comme vous le dites, c'est un droit civil. C'est le droit de chaque personne à profiter du bien-être de la nation. C'est le mérite du sénateur Suplicy d'avoir obtenu que le droit au revenu de base soit introduit dans la loi brésilienne, comme perspective pour l'avenir. Dans quel pays peut-on envisager réellement l'introduction d'un revenu de base ? Je pense que c'est possible partout, même en Égypte, mais il faut l'aborder chaque fois autrement. On ne peut pas comparer le revenu de base égyptien avec les modèles que l'on peut développer en Europe. Mais je crois qu'il est important malgré tout de l'adapter aux conditions régnant en Égypte. Quel serait l'effet d'un revenu de base sur les Égyptiens ? Il aurait un effet libérateur, car les gens en sont à lutter pour leur survie. Ils sortiraient de cette misère existentielle et envisageraient l'avenir tout différemment. Pour le moment, c'est de la survie pure. Monsieur Suplicy, pourquoi vous engagez-vous ainsi pour le revenu de base ? Parce que je veux trouver la vérité. Alors, je veux trouver le moyen d'éradiquer la misère, de construire une société équitable, d'améliorer la distribution des revenus, d'établir la justice. Je veux lutter jusqu'au jour où les hommes pourront tous se mettre à la table de la fraternité, comme l'a dit Martin Luther King dans son discours. On pourrait commencer avec un revenu de base pour les enfants. Par exemple, dès l'année de naissance 2000, avec les enfants, le revenu de base grandira dans la société. Mais on peut aussi commencer avec son propre revenu, en le concevant d'une autre façon. Ihr Recht
Lors de l'estimation du revenu de base, nous ne calculons pas la prestation fournie. Mais par ce revenu, nous rendons possible la contribution de chacun à la société. Le travail que vous ou que d'autres exécutent n'a pas de prix, mais votre revenu le rend possible. On pourrait commencer par introduire le revenu de base dans une région. Par exemple, en Midi-Pyrénées. Ou dans une ville comme Tarbes. Des fondations pourraient commencer en émancipant financièrement les habitants, sans poser de conditions. Les fondations, de même que l'État et ses subventions, sont là pour financer une vie culturelle autonome et des œuvres sociales. Mais l'individu, entrepreneur social ou culturel, n'est guère au centre des préoccupations. Ce sont des projets, des demandes de financement qui doivent obéir à des structures, à des critères. L'individu comme tel n'est pas pris au sérieux. C'est précisément ce que ferait le revenu de base. Prendre l'individu au sérieux. Le plus souvent, on rétorque que précisément, on ne peut pas faire confiance à l'individu, qu'en général, il ne connaît pas son propre potentiel et ne fait rien de son propre chef. Quelle est l'expérience de la directrice du Centre de promotion de l'existence pour les chômeurs à Francfort ? Les idées sont là, mais elles sont enfouies sous les gravats de l'existence, les angoisses, les fausses représentations de ce qui est possible, de ce qui est autorisé, de ce que l'on peut ou veut faire. Je suis certaine que le revenu de base aiderait à débloquer les potentiels. Il y aurait d'ailleurs des retours pour l'économie et pour la société. Quel serait le montant du retour sur l'investissement que représente le revenu de base? Je pense qu'il serait très important. Mais alors, il faudrait qu'on commence avec cet investissement. Mais l'investissement profite à tout le monde, même à ceux que je n'aime pas. Je trouve même que c'est très important. Toute ma vie, je me suis donné de la peine pour me discipliner, pour être performant, être capable d'une activité plus ou moins dotée de sens. Et les voilà donc qui se ramènent, ces jeunes gens qui n'ont aucune discipline. Et c'est à ceux-là qu'on devrait donner de l'argent. Mais c'est un scandale. À mon sens, c'est ce sentiment qui se cache derrière le refus du revenu de base. Mais comme ce n'est tout de même pas très chic de mettre cet argument en avant, on dit « Mais comment allons-nous le financer ?» Nous avons travaillé pour la mécanisation, pour décharger l'être humain du travail pénible, et maintenant, on se plaint qu'il n'y ait plus assez de place de travail. Et personne ne dit, mais non d'une pipe, c'est justement pour ça que nous avons trimé dur pendant 100 ans, pour ne plus travailler autant. Aucun parti politique ne le dit, et cela me met en rage. L'argument décisif est en fait une vengeance personnelle. Il ne faut pas que ce soit mieux pour les autres que ça ne l'a été pour moi. Et cet esprit de vengeance est torpillé par le revenu de base. Mais alors, si je peux me débarrasser de cet état d'esprit, je ne fais pas seulement quelque chose pour le revenu de base, mais aussi pour ma propre santé et pour mes facultés d'être social.